Salut à tous, c'est Lumpy pour Captain Steam. Alors, vous avez vu cette semaine, logiquement, ceux qui me suivent sur la page Facebook, il y a eu un petit peu de changement. J'ai changé le Captain Railroad par Captain Steam. C'est plus facile à prononcer, ça passe beaucoup mieux. D'autre part, j'en avais déjà parlé, CaptainSteam.fr est désormais accessible. Ça renvoie sur ma chaîne YouTube. Je commence à avoir de plus en plus de visites. Finalement, c'est une chaîne que j'avais plus ou moins abandonnée. Et que je suis en train de relancer, et pour le moment ça plaît. Donc bah, écoutez, merci, merci de vos encouragements, hein. C'est quand même sympa. Alors cette vidéo va être dédiée à un truc que je suis allé voir ce week-end à Lyon. C'est Mini World Lyon. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont certainement allés voir cette exposition. Si c'est pas fait, franchement, allez-y. Vous pouvez y aller en tant que passionné, vous pouvez y aller en famille. Qu'est-ce qu'il faut savoir de Mini World Lyon? Les entrées, vous pouvez penser que c'est cher. Non, c'est pas cher, parce qu'en fait, vous y passez un temps fou. Ce qui peut être cher, c'est les petits à côté. Hein. Justement, en effet, les frais. Hein. Bref, quoi qu'il en soit, j'espère que le succès sera au rendez-vous pour Mini World, parce que ben, il le mérite. Hein. Franchement, les mecs s'arrachent un petit peu ce que je pense pour faire rêver les gens. Comptez au moins 2 heures pour faire le tour. Il y a tellement de choses à voir, il y a des scènes qui sont cachées. On vous donne le dépliant à l'entrée. Vous avez des personnages à essayer de trouver. Il y a des scènes de films, Orange Mécanique, Cruella d'Enfer, Jurassic Park, Star Wars, Wall-E, Dexter, La Petite Sirène, Bob l'Éponge, Twilight, Babe, le cochon, Les Schtroumpfs, Le Labyrinthe de Pan, Édouard aux mains d'argent. Enfin, bref, il y a vulgairement une chier de trucs à trouver. En plus de ça, vous avez des super-héros qui sont planqués. Donc il y a Batman, il y a Spider-Man, je crois qu'il doit y avoir Hulk aussi, il y en a plein. Donc il y a aussi un concours, il faut trouver où est Charlie, le petit bonhomme avec son maillot rayé et puis son bonnet. Donc où est Charlie, je crois qu'il y en a 3 à trouver, moi j'en ai trouvé un parce que quelqu'un a dit tiens il est là, voilà, ils sont super planqués. J'ai ma petite belle-fille qui en a trouvé un aussi ailleurs, donc puis pour peu qu'ils se déplacent. Vous n'êtes pas rendu, je ne vais même pas vous donner la soluce, quoi. Je suis passé en boutique après ça. En boutique, j'ai fait des achats. On m'a donné ces choses-là. Le catalogue. Le catalogue Fleischmann. Start. Et Start Rocco aussi. Voilà, ça fait le taf. On m'a filé le catalogue Rocco 2017 de tous les nouveaux produits. Donc n'hésitez pas à les demander si vous passez en boutique et puis qu'on ne vous les donne pas. N'hésitez pas si vous ne les avez pas. Le catalogue Fleischmann 2017. Très bon catalogue. Et je me suis acheté des petites bricoles, bien entendu. J'ai acheté cette petite Porsche au 1,87e. C'est une marque Next Models. Ou Willy Next Models. Voilà. Je vais donc passer au déballage de la Porsche et je vais passer au déballage de la chose tant convoitée par les amateurs de train, le wagon citerne estampillé aux couleurs de Mini World Lyon. Voilà, il coûte 45 euros, c'est pas donné, mais bon, après les wagons, tout le monde sait que logiquement c'est pas non plus bien donné. Donc j'estime que le prix était correct et ça fait une pièce de collection. Je vais le déballer tout de suite. Je passe d'abord au déballage de la Porsche. Alors, la petite Porsche se présente comme ça. C'est chez Nex, Willy Nex, bref, je sais pas. Elle est vissée sur son petit socle. Plutôt sympa. La finition est géniale. Donc ça, ces petites boîtes, ça vous permet aussi de faire des petites boîtes vitrines à poser. Et puis, quand vous voulez jouer, que vous voulez mettre ça dans votre réseau, hop là, vous démontez ça. Vous la dévissez à ce niveau-là, avec un cruciforme. Et voilà, votre petite Porsche peut faire partie de votre réseau à chaud. Voilà, c'est sympa de changer un petit peu de véhicule aussi dans ces réseaux, hein, dans ces dioramas. Voilà, je suis très content de ce petit jouet. 4,50€ en boutique Mini World. Nous passons donc à l'objet tant convoité des collectionneurs, le wagon Mini World, le wagon citerne. Regardez, il est édité par REE Models. Faites gaffe quand vous les achetez. Moi, le mien avait pris un jeton, j'y ai vu qu'en rentrant à la maison. Donc ça, je suis un petit peu dégoûté. C'est livré dans un coffret acrylique relativement solide. Hop, voilà. Vous avez les attaches wagon.
je vais essayer de pas trop le déballer parce que, bah parce que je voudrais en prendre soin. Voilà. Hop là, je fais attention. Regardez la finition de la chose. C'est vraiment super. 45 euros, c'est pas donné, mais quand même, ça mérite le coup d'œil. On va faire le plan dessous. Voilà. Quoi vous faire d'autre? Ouais. L'imprimé est génial. Très très propre. Le logo est très très bien pensé. Ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Je sais pas si on va bien voir les imprimés. Voilà, j'essaye de me rapprocher. Donc voilà, je le remets dans sa boîte. C'est un wagon à acheter. Alors j'ai vu qu'il y a des gens qui le cherchaient sur les groupes. Ceux qui le cherchent sur les groupes Facebook, vous ne pourrez l'avoir que là-bas. A priori, vous ne pourrez l'avoir que là-bas. Donc je l'ai déjà dit, il coûte 45 euros. Franchement, si vous avez un seul truc à acheter et que vous êtes passionné, c'est vraiment ce wagon qu'il faut avoir. Au moins dans son, bah dans son réseau, parce que j'estime que c'est une belle pièce. Voilà, j'avais pas forcément 45 euros à mettre dans un, dans un souvenir. Mais bah on se laisse prendre par le jeu. Et puis je me suis dit que c'était vraiment dommage de ne pas partir avec, avec ce, bah avec ce wagon, hein. Voilà, alors je vais vous préparer cette vidéo de Mini World parce que j'ai filmé pendant un bon moment. J'ai un dossier photo qui va arriver aussi. Il faut que je passe au traitement parce qu'il y a quand même, je crois, plus de 590 clichés. Plus de 580 clichés, ça commence à faire. Quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment de me suivre. Alors, cette vidéo qui va être postée sur YouTube et Facebook. Alors, sur YouTube, vous pouvez suivre d'autres chaînes que j'ai, notamment sur les Lego. C'est pour ça que vous en avez à ce niveau-là. J'ai une chaîne sur les Lego qui s'appelle Captain Bricks. J'en avais déjà parlé. Le lien sur YouTube va être dans la description sous la vidéo. Alors, sur Facebook, je ne mets pas forcément la description. Vous trouverez Captain Bricks sur Facebook sans trop de sans trop de problèmes. Merci infiniment de me suivre à nouveau sur Captain Steam. Je suis motivé pour essayer de continuer d'alimenter cette chaîne et cette page. Et puis essayer de vous plaire et de plaire au plus grand nombre. Donc voilà, je suis déjà touché du retour que j'ai eu de la reprise de mes vidéos. Donc les gars, merci. Et les filles aussi, certainement, viendront par la suite. Parce qu'il y a quand même des passionnés EES de train. Donc bah écoutez, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, j'ai beaucoup de boulot sur le sur la vidéo de Mini World justement. Donc je pense que la prochaine vidéo, je ferai juste une petite intro et je vous lancerai au moins une vidéo de Mini World, à moins que je fractionne et que j'en fasse plusieurs. Donc ce sera la surprise. À bientôt et merci de me suivre encore une fois. Et j'en bafouille et puis bah voilà, et tchuss, salut à tous. Avant de partir, je voudrais juste vous dire que vous pouvez trouver un hors-série. Alors, c'est les clés pour le train miniature qui est dédié à Mini World Lyon. C'est actuellement disponible en kiosque. Franchement, ça, je vous le conseille. Le magazine est vraiment génial. Alors, le hors-série, le petit magazine aussi est très bien. D'ailleurs, je me suis abonné. À savoir que si vous vous abonnez. Alors, attendez, il faut que je prenne mes notes là. Si vous vous abonnez par le biais du bulletin qui est disponible dans les traits pour les clés pour le train miniature. Le tarif est donc de 19,30 € pour 6 numéros, plus un petit truc sur plus un plan de réseau offert. Par contre, si vous utilisez le bulletin d'adhésion qui est disponible dans le hors-série des clés pour le train miniature qui est dédié à Mini World Lyon, c'est à 19 euros, toujours pour 6 numéros avec un plan de réseau offert. C'est pas grand-chose, mais vous gagnez quand même 30 centimes si vous voulez vous abonner. Donc du coup, j'ai utilisé celui-là. Voilà, c'était le petit bonus vidéo. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!